Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rock Moderne et avec un superbe unboxing. Et vous avez sans doute reconnu le logo de la firme américaine Waxwork Records qui a eu pas mal de mal à me fournir ce coffret que je vais déballer sans plus attendre, qui est super bien emballé. Je l'avais commandé au mois de février. Il a été expédié il y a environ un mois. Il a mis 3 semaines à moi à venir. Vous voyez comme c'est super bien emballé. Et j'ai eu très 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 peu de droits de douane. Donc apparemment, je ne sais pas si le critère des 20% a été retenu. Bon, on va ouvrir tout ça. Ça va être un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Voilà, parce qu'il y a pas mal de papier. Alors, ça risque d'être un petit peu long. Bon, je ne vais pas faire de coupure, hein. Voilà, on va voir. Ça, en tous les cas, c'est super bien emballé. Voilà ce que je vais faire comme ça. Voilà. Et ici, ceci. Voilà. Les câbles. Donc, ça s'ouvre parfaitement bien. Donc Waxwork, petit label américain spécialisé dans les bandes originales de films fantastiques et d'horreur. Alors, j'ouvre donc le paquet. Vous voyez comme c'est super bien emballé. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Voilà, donc c'est comme ceci. Vous avez l'emballage on va le sortir. Vous avez même des petits copeaux de. Allez, c'est dehors. Voilà, les câbles. Ça, j'enlève. Regardez comme c'était bien emballé quand même dedans. C'était pas mal du tout. On va mettre ici le carton qui pourrait éventuellement servir. Et après, donc c'était vraiment bardé de bulles, voyez. Et vous l'avez sans doute reconnu, ce fameux coffret dont je vous ai parlé depuis pas mal de mois, parce que j'avais commandé au mois de février. Voilà. Alors c'est vrai que c'était à l'insistance de certains abonnés qui m'ont dit, mais pourquoi tu commandes pas le coffret Godzilla, etc. Alors quand je l'avais vu à 450$, je me suis dit, si 450$, les droits de douane plus les frais d'envoi, on arrive à plus de 500€, bon, c'était pas pour moi. Et en fait, je l'ai eu à moitié prix en tout, franco de frais de port, 4 fois sans frais, et j'avais un avoir et une grosse réduction, ce qui fait que j'ai payé 260€ en tout que j'ai dépensé pour ce coffret. Ça valait vraiment le coup puisqu'il est composé de 18 disques. Il y a 18 vinyles quand même dedans. Et donc vous voyez, c'est une magnifique édition. Voilà. Je regarde si on peut vous montrer un petit peu plus comme ça. C'est lourd, hein? Ça doit peser presque 10 kilos. Voilà. Donc, alors après, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, en fait, il s'agit de 18 bandes originales de films japonais, donc qu'on appelle The Showa Era Soundtracks sur Godzilla, qui se sont échelonnés de 1954 à 1975, s'il vous plaît. Et on exclut tous les films, évidemment, qui peuvent être d'autres pays comme Amérique ou Europe, donc qui ont été faits par la suite. Donc là, il s'agit vraiment des séries. Alors, est-ce qu'elles étaient télévisées? Je ne sais pas. Il s'agit de films en noir et blanc. On a eu le premier, donc Godzilla 1954, Godzilla Raids Again en 1955, King Kong versus Godzilla en 1963, Mothra versus Godzilla en 1964, Ghidorah, The Three-Headed Monsters, le monstre à trois têtes en 1964, Invasion of Astro Monster 1965, Ebirah Horror of the Deep 66,
Ensuite, on a Son of Godzilla 67, Destroy All Monsters 68, All Monsters Attack 69, Godzilla versus Edora en 71, Godzilla versus Gigan, donc deux LP là, 1972, Godzilla versus Megalon en 1973, Godzilla versus Mechagodzilla en 1974 et Terror of Mechagodzilla en 1975. Voilà. Je vais avoir la petite tracklist complète des titres des films. Alors bien sûr en noir et blanc. Alors je m'étais dit au départ, bon ça doit être un son pourri, etc. Et j'ai écouté sur YouTube certaines bandes originales du premier, etc. Et j'ai trouvé vraiment que c'était assez classique, mais très bien enregistré, et que c'était pas mal du tout. Donc voilà, je me suis lancé. Alors, donc il y a des bandes son composées par Akira Ifukube, Masaru Sato, Kunio Miyoshi et Richiro Manabe. Alors, celui qui a fait, qui a remasteré les bandes audio avec un nouvel artwork, c'est Robert Samelin. Voilà. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire? Donc, c'était une production à l'époque de Toho. Et d'ailleurs, Waxwork a donc collaboré avec Toho pour l'édition en vinyle de ces bandes originales, pour se procurer les bandes originales, les remasteriser, etc., les rendre audibles peut-être sur CD, sur fichier numérique, et voire sur vinyle, puisque ils ont sorti ce coffret. Alors, bien sûr, il est sold out. Ils ont honoré quand même les commandes, difficilement les commandes, donc d'avant mai de cette année. Moi, j'avais commandé au mois de février. Donc, février, mars, avril, mai, juin, juillet. J'ai mis 5 mois à l'avoir. Bon, j'ai pas trop rouspété parce que j'avais eu vraiment une grosse réduction, puisqu'ils m'avaient donné un coupon de réduction sur tout ce que je voulais dans le magasin suite à l'annulation d'une commande, je répète. Donc, cette commande m'a été recrédité, j'ai eu 60 euros de crédit et j'ai eu donc cette réduction et en tout et franco de frais de port en 4 fois sans frais, enfin vraiment, et pratiquement pas de droits de douane. Je suis très content d'avoir eu ce coffret presque à moitié prix, donc je vous le montre et on va enfin l'ouvrir. Alors par quoi va-t-on commencer? Donc vais-je garder le cellophane? Je sais pas du tout. Ouais, c'est vraiment. C'est la première fois que j'ai un aussi superbe objet entre les mains. Voilà. Ce serait bien de mettre dans le bon sens. Ça couperait mieux. Voilà. On va essayer de garder le blister dans un premier temps. Voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu des indications. Comme ça, on va pouvoir se consacrer à chacun des vinyles sans revenir en arrière à chaque fois que je vais vous présenter. Parce que les vinyles, il y en a 18. Hein. 18, et donc il y a combien de films? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 films, et je crois qu'il y a donc deux double gatefold. Donc oh, ça a l'air super. Puis alors, vraiment bien fait. Il n'y a pas de défaut apparent pour le moment. Ouais, là, le blister est un petit peu épais à cet endroit-là. Voilà. Donc là, on va déjà ouvrir ça. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un coffret à tiroir. C'est très lourd, hein. Ça doit faire au moins 8 kilos. C'est très, 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 très lourd. Alors, ensuite, bon, ça, on peut peut-être même l'enlever pour le remettre par la suite, hein. Je vais voir si ça se remboîte. Oui, ça peut s'emboîter facilement. Donc, pour la présentation, je vais vous sortir. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez une box, donc mat. Voilà, là vous avez vraiment, vraiment le bel artwork. Regardez ça, c'est superbe. Bon, sans le blister, ça se voit beaucoup mieux. L'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà, donc. Ah, je vous montre tout, hein, tant qu'à faire, on a le temps. On va consacrer cette vidéo à ce coffret, ce superbe coffret. Oh là là, mon Dieu, c'est superbe. Oh là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne regrette pas du tout.
Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'ai eu un coffret aussi bon entre les mains de ma vie. Je pense, ça bat le Seigneur des Anneaux. Voilà. Parce que quand je vais ouvrir, vous allez tout de suite comprendre. Regardez ça, comme c'est magnifique. Voilà. Superbe. Avec un petit aimant. C'est aimanté, vous vous rendez compte. C'est formidable. C'est magnifique, vraiment. Et vous avez toutes les BO des 15 différents films. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 5, 15. Vous voyez, 15 films. Et donc, les deux derniers sont. On a le troisième, King Kong versus Godzilla, qui est en double LP. Et aussi le quatrième. Le quatrième et le Godzilla versus Gigan de 1972, deux LP. Donc, on a trois films en double LP. Alors, est-ce que ce sont des gadfols? Bon, très très bien. Alors, ça, c'est une feutrine, vous voyez. Donc, la feutrine que je peux enlever. Vous voyez, une très jolie feutrine, magnifique. Voilà. Et là, vous avez donc le premier disque. On va procéder de cette façon-là, avec un superbe artwork. Regardez ça. Voilà, un artwork, je vous remontre. Voilà, un artwork qui n'est pas. Voilà. Qui n'est pas sur. Comme souvent dans les coffrets, il y a un artwork avec la reprise un petit peu des crédits. Vous voyez là. Donc on a Box Set Producer, donc Kevin Bergeron et Sue-Hélène Soto. Voilà, on a tout. Je vous ai tous les crédits. Voilà. Voilà, il y a tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu plus près parce qu'il y a quand même pas mal de monde, et ça c'est pas marqué sur la notice de Waxwork. Voilà, ensuite on a un petit carton de protection parfois pour que dans le transport, je pense, et là aussi d'ailleurs, on a deux cartons ici de protection. On attend un gros, un petit peu plus gros, vous voyez, c'est bien emballé, et celui-ci beaucoup plus mince, voilà, de façon à bien stabiliser le. Voilà, en fait, il y en a deux, oui, deux. Voilà, deux cartons d'un côté, un de l'autre. Vous voyez, c'est bien, bien, bien protégé. Voilà, on avait aussi celui-ci en plus. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de sortir les films, j'allais dire les BO, les unes après les autres. Alors, donc, dans l'ordre, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre. Ouais, peut-être faire comme ça. Voilà, le mettre de côté et prendre un petit peu après, film après film. Donc le premier, film en noir et blanc, bien sûr. La pochette est tout à fait comme il se doit. Et on a quand même des. Oh là là, dites-moi. Ça, c'est des Mophie. Alors, est-ce que c'est Mophie qui aurait pressé ça? Parce que je sais que Waxwork m'a dit. Il m'a dit, parce qu'on a pas mal dialogué à ce sujet, notamment à cause du discount, tout ça que j'ai eu. Avec les gars, ils m'ont dit qu'ils avaient sous-traité la production du coffret. Ben, c'est pas eux qui l'ont fait, bien sûr, à chaque fois. Et je pense, bon, on a des sous-pochettes Mophie. Est-ce que c'est pas Mophie qui aurait Mophie, je sais plus si c'est une émanation d'Universal ou de Warner. Warner, j'ai un trou là. Donc on a quand même des pochettes Mophie. C'est bon signe quand même. Donc ça se veut audiophile quand même. Ça, c'est quand même un plus. C'est quand même un plus. Avec un très joli macaron. Voilà, regardez ça. Si c'est pas beau. Très très beau. C'est du 180 grammes. Donc c'est du Mophie déjà. Label américain de haute fidélité. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre. Donc je vous remontre. Voici la tracklist. Après, il y a beaucoup de choses à écouter. Voilà, à chaque fois. Donc, et là, ensuite le deuxième. Donc, on avait Godzilla, maintenant c'est Godzilla Raids Again 1955. L'autre c'était Godzilla de 1954. Voilà. Alors, celui-ci, la musique était de Akira Ifukube. Alors, vous avez donc le nom ici sur Godzilla 1954 et sur Godzilla Raids Again. La musique est de Masaru Sato. Voilà, donc changement, mais c'est toujours excellent. Toujours excellent, avec toujours des Mophies. Vous voyez, c'est vraiment de l'audiophile.
C'est vraiment une qualité audiophile, je pense. Je pense. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal, parce que. Oh là là, comment ça se sort, ça? Ouais. Il y a pas mal d'électricité statique. La pochette, voilà. Regardez ça, si c'est beau. Beau, transparent. C'est superbe. Là, vraiment, c'est coffret collector. C'est le plus beau coffret que j'ai de la collecte. Ensuite, on a un double, oui. Donc, c'est King Kong versus Godzilla, double LP. Pang et Fold en double LP de 1963. Là, on fait un petit bond de quand même de 8 ans. Voilà, alors je ne me souviens pas si c'est en couleur. Donc, je vois Universal. Je me souviens plus. C'est pas Universal à la base. Universal ici, vous voyez. Tracklist. Ensuite, Music by Akira I. Fukube également. Avec, tout est soigné, évidemment. Hein. Pas de pochette éclatée, rien. Le coffret n'a rien du tout. Hyper bien emballé. Vraiment, je suis très, très, très content. C'est vraiment le bâton de maréchal de Waxwork. Toujours des sous-pochettes Mophie. Je suis vraiment très content. Très, très, très content. On ne s'est pas payé ma tête. Loin de là. Loin de là, et même ceux qui achètent ça au prix fort ne seront pas volés. J'ai l'impression que ça va être un coffret assez rare s'ils arrivent à se le faire réassortir. Donc voilà le deuxième, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Pas évident de le sortir. Ces pochettes, c'est assez difficile. Voilà, c'est difficile à. Ça colle. Ah oui, là on le voit bien. Regardez les marbrures. Selon le disque. Très joli, c'est du bleu pétrole un petit peu. Voilà. Ça, je suis vraiment content d'avoir ces mochis. C'est, oui, c'est, j'allais dire ces mochis, non, ces pochettes Mophie. Je vais vous le dire en raccourci. Je suis super content. Ensuite, donc là, c'était le troisième. Donc, King Kong versus Godzilla. Là, on a Mothra versus Godzilla aussi, 1964, de LP. Voilà. Très joli à trois arcs aussi. Très joli. Tracklist. Et donc, on a Akira Ifukube. Surtout lui, j'ai l'impression que pendant cette période, qu'il y avait. Oui, là, il y a un petit. Petite erreur. Bon, c'est un petit peu artisanal tout ça. Hein. Et là, on a deux disques. On a un premier disque d'une certaine couleur, on est compte. Donc bleu translucide, marbré. Toujours du 180, très rigide. Je pense pas du 200, mais vraiment 180, pile poil. Parce que là, ils étaient vraiment pris par le poids, hein, notamment pour l'envoi. Et là, ça n'a pas été abîmé du tout, du tout. Ni ouvert à la douane, j'ai eu de la chance. Ils ont laissé passer pour une dizaine d'euros de droits de douane. Je crois 12 et. Ouais, par là, une douzaine d'euros. Ensuite, le deuxième disque. Voilà. Jaune citron. Mat, enfin, qui est. Je veux dire, ce n'est pas marbré. Même si c'est brillant quand même, mais je vais laisser. Donc, jaune citron. Pardon. Ensuite, donc là, on en est, oui, parce qu'il faut tout compter. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on est au cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, j'ai la pochette là, donc on peut suivre ici. Mais c'est embêtant parce que vous ne voyez pas. Donc en fait, oui, c'est le cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Ghidorah, The Three-Headed Monster, le. Monstre à trois têtes de 1964. Et la musique toujours de Akira Ifukube. Très joli. Très très joli. Avec toujours une pochette Mophie à chaque fois. Et regardez ça. Alors là, il est carrément or, celui-ci. Très très joli. Oh, dites-moi. Ce sont des œuvres d'art. Vraiment une œuvre d'art. Voilà, je regrette pas. Merci les abonnés de m'avoir encouragé à le prendre. Alors ensuite, on a
Invasion of Astro Monster de 1965, toujours Akira Ifukube. Puis des pochettes rigides, pas une pliure, rien, c'est. Et c'est tout audiophile. Hein. Voilà. Donc toujours, vous voyez, dans les pochettes audiophiles, hautement audiophiles. Ça va être un coffret de grande collection. Oh là là, c'est superbe, superbe, superbe. Regardez ça. C'est vraiment superbe. Invasion of the Astro Monster. Alors, j'avais écouté quelques BO, hein, j'ai pas tout écouté, mais ça m'avait l'air pas mal du tout. Je pensais que c'était des séries B au départ. Bon, c'est vrai qu'il y a des films en noir et blanc, tout ça, ça a mal vieilli en ce qui concerne les films, mais les BO ont bien vieilli, je trouve, quand même, malgré tout. Bon, j'ai pas tout écouté, hein, je peux pas tout vous garantir. Ensuite, donc, 5, 6, 7e disque, donc, Ebirah Horror of the Deep, 1966. Toujours, ah non, musique de Masaru Sato. Voilà, on change, parce qu'on a changé d'époque. Voilà. Et là aussi, on a un super pochette Mophie avec un rouge marbré. Apparemment, ouais. Très jolie marbrure. Si vous le voyez, là on le voit peut-être difficilement. Ce sont pas des rayures, mais ce sont des marbrures. C'est pas splatter, mais voilà, c'est chiné. Il y en a beaucoup plus qui n'apparaît à l'écran. Voilà. Hop. Ensuite, on passe maintenant. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors le 8e, le Son of Godzilla 1967. Celui-ci donc, voilà, qui est le 5, 6, 7, le 8e film. Voilà. Et avec la musique de Masaru Sato. Voilà, tout comme toujours, je pense qu'il va enchaîner quelques épisodes. Et on a évidemment, moi je remonte quand même, c'est très très bel artwork. Voilà. Et puis là aussi, oh, enfin la waxwork quoi. Regardez là, c'est superbe aussi. The Son of Godzilla 1967. Ça rajeunit pas tout ça. Voilà, mais bon. Ensuite, on continue avec le donc 10, le 9e, 9e. Donc Destroy of All Monsters, je pense, oui, Destroy of All Monsters, oui. 1969. Je regarde parce qu'il n'y a pas là, forcément l'année. Là, il y a marqué 68, vous voyez, ils font des erreurs. Là, il y a marqué 68. Bon, peut-être qu'il va falloir que je lise les pochettes. Parce que la dernière, il y avait marqué quelle année celui-ci? 1967, Son of Godzilla, oui, ça c'est bon. Donc, Destroy All Monsters, 1968, oui, c'est ça, oui, 68, excusez-moi. Voilà, c'est bon, j'y suis à nouveau, ça y est. Donc, toujours Akira Ifukube qui revient. Voilà, qui n'avait pas dû prendre encore sa retraite. Hop. Et là, qu'est-ce qui nous attend encore? Oh, ben là, tout simple, apparemment. Mais joli. Ah non, quand même. Donc, regardez ça. Ça, vraiment, vraiment, je crois que je vais leur envoyer un mail de félicitations. Quand même. Parce que je ne l'ai jamais fait, mais je crois que là, je vais être obligé. Parce que là, c'est vraiment, on est au-dessus de Mondo. Hein. On est au-dessus de tout. J'ai jamais eu un coffret aussi beau que celui-ci. Regardez même les. Regardez ces reflets. Puis alors, ça a l'air vraiment. Vraiment bien, bien, bien pressé. Alors, ensuite, on est au 10e, le 10e donc de 1969 de Kunio Miyoshi. Donc, tout ça, c'est des Japonais, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, All Monsters Attack de 1969. Voilà, on y est à 69. Là. 69, l'année des cosmonautes, des astronautes. Voilà. Regardez ça, c'est superbe, c'est superbe, superbe. Oh, dites-moi, dites-moi, regardez ça, c'est translucide et marbré. On croirait un marbre, genre
transparent, un petit peu translucide. Oups. Et parce que là, le coffret est en train de se vider. Donc, on a fait le dixième. Je vérifie. Donc, on est au dixième. Il en reste encore cinq. Voilà, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, Godzilla versus Edora. Voilà. Godzilla versus Edora. Donc, Richiro Manabe, comme musicien, comme auteur-compositeur de la BO de 1971. Voilà. Je sais pas à quoi va ressembler le vinyle là, vu la pochette. Ouais, ça me paraît un petit peu. Bah, c'est du bronze en fait, c'est un couleur bronze. Voilà. Regardez ça, c'est pas mal du tout aussi. C'est une couleur un peu bronze doré avec des marbrures. Toujours, ils adorent un petit peu ces effets marbrés. Voilà. Ensuite, donc, il n'en reste plus que 4, si je puis dire. Godzilla versus Gigan, 1972, 2 LP. 2 LP, assez lourd. Godzilla versus Chigan, donc de 1972, de LP et Akira Ifukube, toujours à la manœuvre, qui revient de temps en temps. Voilà, je remonte toujours l'artwork, très joli. Et là, on a deux vinyles, sont-ils de... Non, pas de la même couleur, donc vous y avez droit. Vous y avez droit. Donc, un transparent marbré citron. Vous voyez, il y a des... Je ne sais pas si vous les voyez, vous avez des marbrures ici. Voilà. On croirait une eau. On croirait une nymphéa de Claude Monet. Voilà, avec la transparence de l'eau. Ensuite, ah, un vinyle noir, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Y a-t-il une erreur de pressage? Non, je pense pas. Je pense que c'est la couleur qui est. Oui. Qui est très foncé. Oh là, c'est superbe. Un bordeaux là. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, regardez, grâce à la caméra, vous verrez, mais il est beaucoup plus sombre que ça. Il y a des effets, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Très beau. Très beau. Est-ce mat? C'est même translucide cette partie-là. Les parties foncées sont mates et les parties plus claires sont translucides, voire transparentes. C'est du plus bel effet. Voilà. Ensuite, les trois derniers, Godzilla versus Megalon de 1973, donc un LP, donc musique de Riichiro Manabe. Bon, c'est un petit peu toujours les mêmes qui tournent. Hein. Donc de 1973, voilà. Déjà, on se rapproche de la date de la Tour Infernale. Hop. Très 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 beau aussi, bleu océan. Voilà, ça pourrait très bien aller pour le grand bleu, ce genre de disque. Voilà, ou les dents de la mer. On avait Godzilla versus Megalon, hein, bien sûr. Ensuite, les deux derniers, donc Godzilla versus Mecha Godzilla. Donc mécanique, je pense, Mechagodzilla, robot, 1974. Oui, d'ailleurs, le voici bien dessiné. Bon, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'en ai pas vu beaucoup. Je fais amende honorable. Pardonnez-moi. Et donc, mu musique de Masaru Sato de 1974. Après, je vais essayer d'en visionner quelques-uns des meilleurs. Parce que les films ne sont pas toujours à la hauteur des BO, hein, bien sûr, malheureusement. Mais bon. Voilà. On a un joli vinyle, hein. Il n'y a pas à louper. Voilà, c'est carrément presque noir. Hein. C'est très foncé. Le projecteur, ça s'éclaircit un petit peu, mais en fait, c'est assez foncé. On dirait un peu du gris anthracite. Voilà. C'est plutôt ça la vraie couleur. Là, cette couleur-là. Que celle-ci. Très beau, très beau, très beau, très beau. Ça va être une excellente vidéo.
Et le dernier, Terror of Mecha Godzilla, évidemment, encore le Godzilla robot. Voilà. Donc, de Akira Ifukube, voilà, qui revient pour le dernier de la série des 15. Donc, Toho Company Limited, 1975. Et Waxwork. Waxwork, voilà, il n'y avait pas Universal. Toho, sous licence du label et de la maison de production Toho, qui avait produit les films. Donc, Terror of Mecha Godzilla. Voilà. Donc je remonte le dernier. Voilà, très beau. Voilà, 30 minutes. Donc très beau vinyle. Et je me semblais que le dernier avait quelque chose sur la pochette. Et je me suis peut-être trompé. Non, oh non. Oh, c'est superbe aussi. Regardez ça. Comme c'est beau. Ai-je gardé le plus beau pour la fin? Ils sont tous superbes. Regardez ça. C'est vraiment. Voilà. Ouais, vous voyez. D'ailleurs, il y a des reflets qui changent, comme dans la réalité. Voilà. Là, on est plus proche de, voilà, ici, de la réalité. Ici, là, déjà, c'est un petit peu la réalité, un petit peu travestie, parce que en fait, il est plus foncé. Bon, il y a tellement de projecteurs ici que, voilà, il n'y aura pas de défaut. Donc, je vous ai montré, donc je vous rappelle un petit peu, donc, tous les 15 titres. Voilà, le coffret est vide. Et on peut le refermer. Voilà, il y a un aimant. Vous l'entendez, d'ailleurs. Voilà. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je remonte quand même le partenaire principal en guise de fin. Et puis cette. Jolie. Oh, et c'est vraiment superbe. Joli artwork aussi. Voilà. Je sais pas si je vais l'utiliser comme. Voilà, comme support pour ma platine, je sais pas, j'hésite parce que bon, si on veut laisser tout pour la collection, faut tout laisser neuf. Hein. Voilà, mais enfin, c'est pas mal du tout. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de la poster cette semaine. J'avais une vidéo qui est déjà programmée. Alors, je sais pas si je vais pas repousser la programmation de la vidéo sur les films, sur les disques américains des années 89. En New Wave, si je la repousse à la semaine prochaine, parce que je pense que je vais vous la présenter. On est aujourd'hui lundi, donc d'ici jeudi, parce que c'est souvent jeudi que je les mets en ligne, je pense vous la mettre en ligne plutôt jeudi et je vais décaler d'une semaine l'autre. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, bonnes vacances, changez-vous bien les idées, on en a tous besoin, et profitez de vacances, évidemment, si vous en avez, sinon. Profitez-en pour rattraper le retard que vous avez dans le visionnage de certaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker aussi et à laisser vos commentaires. J'y répondrai sans faute. Je réponds à tous les commentaires, sauf si des fois il y a des commentaires qui sont sous forme de spam. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas y répondre. Bon, ça m'arrive rarement, mais des fois ça m'est arrivé. Voilà, salut, à bientôt pour la prochaine vidéo.